C'est bien. Salut tout le monde. Je suis pliée de rire. Oh là là, c'est pas vrai. Dis. Donne des explications, toi. Pas moi, moi je dis rien. C'est toi la pro du Mac, voilà quoi. Un pro du Mac ou n'importe quoi, YouTube. YouTube, peu importe. Nous sommes validés. Pour du live sur YouTube, nous sommes validés partout. Moi, je pensais qu'il allait falloir simplement cliquer sur le bouton de mettre le descriptif pour passer en live. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Alors du coup, on est vraiment mal. Je suppose que tout le monde est devant son écran, dans les stockings, en attendant que le live démarre. Mais voilà, quoi, pas de live. Bon. Gaston Lagaffe au féminin, c'est moi. Donc, je suis profondément... Est-ce que je suis désolée? Non, parce que c'est pas grave du tout. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a plus grave. Bon, je vous demande... Soyez indulgente. Soyez un peu indulgente avec ma pauvre âme. De me pardonner. Mais moi, j'ai rien fait parce que je comptais sur elle, là, en fait. Donc, voilà, pas de live. Ce n'est que repoussé, attention. Hein. Non, non, mais vous c'est nous subirez quand même. Non, non, mais vous inquiétez pas. Vous ne nous échapperez pas. Non, mais c'est clair. Bon, mais ça sera un autre jour, une autre fois. En fait, hein. Vous êtes en train d'assister au plus loupé des lives, non live, de la Terre. Parce que si j'ai bien compris, on clique sur le bouton. Mais en plus de ça, il faut télécharger un encodeur. Je télécharge un encodeur. Hein. Oui. Et c'est là où ça coince. Parce que je trouve pas comment vous faire, je trouve pas comment. Parce que Ambre, elle a fait les choses comme il faut, elle t'a bien cliqué plusieurs fois sur le truc télécharger encodeur, télécharger encodeur. Sauf que ce encodeur à la voilà ne se télécharge pas. Non mais bon, voilà. Je vais mais pour quand même pour tout te dire parce que toi qui es en train de regarder. Bon allez, je retourne à ma couture là, franchement. Ça fait quand même 15 minutes qu'on est toutes les deux là à essayer de trouver les solutions. Bien installé, bien propre, hein, nickel, voilà. En pleine chaleur. Bichonné comme il faut. Voilà, on a fermé presque tout parce que nous sommes toujours à côté de Derio, hein, dans de Bilbao. Une petite banlieue de Derio, donc proche de Bilbao. Voilà, la ville la plus grande, c'est Bilbao. Et après, c'est Derio. Et nous, là, nous sommes dans une petite autre ville qui s'appelle Zamouria ou un truc comme ça. Soumedia, Soumaria, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Sinon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc... Nous sommes dans notre... L'engradé du siècle, quoi. Le live... Oh là 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 là. Nous là sommes là. Dans des... Le live, non live. Nous sommes enfin, dans nous des journées... Nous sommes des non-vivants ou des non-morts, quoi. Nous sommes des vampires, en fait. Born to be alive. Ou oh, non live. To be non live. Non, mais de toute façon, je vous présente. Non, vous n'y échapperez pas. Non. On est super, super contente d'avoir les 1000, même au-delà, largement au-dessus des 1000. Ouais. On avait prévu une petite surprise. Oui, on avait prévu une petite surprise. Alors ça, on peut vous le dire quand même, live ou pas live. Oui, parce que quand même, vous méritez... C'est ce qu'on traîne de papoter là. Vous méritez la surprise. Attention à ça, parce que là, ça crôle dans tous les sens. Et ils vont prendre la nausée, les pauvres. Donc, à toi l'honneur, ma Crissa internationale, de raconter la surprise. Alors, en fait... Attendez, une seconde. Ou un peu plus, je crois. 10 Ouais, 10, c'est sympa. Allez, 10. Allez. 10, chérie. Alors, vous vous souvenez du petit jeu qu'on a lancé pour les 1000, pour savoir quand est-ce qu'on aura nos 1000 abonnés. Donc, en fait, ça aussi, c'était un peu raté parce qu'on a lancé les soins, du coup, on les avait le lendemain. Alors, on est vraiment novices en tout.
mais c'est pas... Ça sera pour les 2000, hein. Alors, pour les 2000, on fait un grand truc. Alors, on vous avait promis quelque chose. Alors, si vous voulez bien, si vous voulez nous envoyer vos adresses, les postales, attention, adresse postale, adresse, pas adresse postale. Email, adresse postale. Si vous êtes d'accord, de nous donner votre adresse postale. Voilà. Les 10 premiers, voilà. Les dix premiers qui nous envoient leur adresse postale, ils auront droit à une petite surprise. D'accord. Oui. Ouais. Oui. Qui va arriver, ben, forcément, par le courrier, parce que sinon on ne vous demandera pas l'adresse. Nous postale. Vous avons dit et redit comment trouver notre adresse mail. Nous vous avons dit et redit. Donc maintenant, on ne vous le redit plus. À vous non, de c'est courir. En bas, là. C'est en bas, là. Vous nous trompez. On ne va pas leur dire. Non. Alors, donc, les 10 premiers qui nous ont envoyé, oui. Qui nous auront envoyé leur adresse postale, oui. Ils auront une petite surprise. Voilà. Voilà. Parce que vraiment, vous êtes des chéris. Ouais. C'est vrai que maintenant, bon, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de commentaires. Ouais. On ne prend pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Et, donc, lisez entre vous. On n'a pas besoin. Ils se répondent entre eux. Oui. C'est très bien comme ça. Alors, je le redis encore. J'aime beaucoup la dynamique qui est en train de se mettre en place dans la chaîne. Vous parlez entre vous. Vous communiquez entre vous. C'est parfait. Suite à un commentaire que Sybille a mis, je prends souvent Sybille en référence parce que je trouve que c'est un homme qui avance beaucoup des choses et qui a tout à fait compris l'état d'esprit. Souvent, c'est moi qui lui réponds parce que on se rentre dedans, je suis pas d'accord avec lui. Là, dernièrement, je viens de lui faire un grand commentaire sur Nomade, Aventure, etc. parce que je suis pas d'accord avec lui. Mais en tout cas, je vous en prie, prenez peut-être Sybille et moi quand on se répond, on n'est pas d'accord. On reste poli, on s'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. On n'est pas d'accord et j'adore ça parce que ça amène le dialogue. Ah, je vous en prie, entre vous, restez courtois, restez poli. Dans la majorité, vous l'êtes et c'est particulièrement agréable. Comme je l'ai dit à Sybille, si Chrissa et moi, on voulait pas être contrariés par vos commentaires, si on voulait pas être contrés par vos commentaires, eh ben on ferait pas une chaîne YouTube. Et voilà, on désactivera tout simplement les commentaires. Ou alors on fait une chaîne sans commentaires comme si c'était une télévision. Ouais. Et ça ne nous intéresse pas. Donc je ne comprends pas les créateurs de chaînes qui refusent d'être contrariés. Ouais. Pas critiquer, mais d'être contrarié dans leur démarche, etc. Oh non, Combien de fois vous nous avez contrés, hein, c'est vrai. Ouais. Mais alors des fois, c'est vrai qu'on dit, oh mince, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Mais on y réfléchit. Pourquoi je me mêle? Ouais. Mais en fait, vous avez raison parce que même bon critique ou mauvais critique, ça fait toujours avancer. Oui, ça fait avancer. Le schmilbic, peu importe. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison de d'émettre vos opinions, vos commentaires, vos remarques. Voilà quoi. C'est toi, Sybille, tu me fais beaucoup réfléchir parce que tu parles beaucoup de choses, bien sûr, que je ne connaîtrai pas puisque je n'ai jamais été dans ta situation, etc. Et ça me permet quelque part de grandir, quoi, ta façon d'avoir vécu, ta façon de voir les choses, etc. Et vous êtes nombreux comme ça, hein, vous êtes plein. Mais la vie de chacun, même sur un canapé, quelle que soit la vie, on n'a pas obligatoirement une vie de nomade, etc., ou d'itinérant. C'est une aventure. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est toujours une aventure. Quel que soit l'obstacle, que ce soit une maladie, que ce soit les relations, que ce soit n'importe quoi, c'est quand même une aventure. Et ça, je le maintiendrai, tu sais, Sybille. Je sais, je m'adresse beaucoup à Sybille. Désolée pour les autres, mais c'est lui qui me sert, voilà, de bouc émissaire. Bon, alors, on va pas trop papoter parce que je sens que vous êtes devant l'écran avec impatience. Ça fait déjà 10 minutes qu'on papote, là. Alors, désolé. Là, vous avez une explication du pourquoi et comment de la je confirme. Technique. Denis, tous, il y en a d'autres aussi qui m'ont proposé. Oui, je ferais bien d'aller chez vous les uns et les autres pour avoir une formation intensive en informatique. Ouais, mais pas cette semaine.
Non, parce que ça va être plus juste. Et oui, j'ai pas fait de vidéo hier exprès parce qu'il y avait le live. Là, on bouge pas. Moi, j'aimerais ne pas bouger avant au moins mardi, me poser, faire plein de choses. Mais j'avais quand même des vidéos à vous montrer. C'est pas grave. Ce n'est que repousser. Torture de live. Repousser. Attention. Bon, allez. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée, quand même.